Et salut à tous les amis, on est reparti sur la carrière suivie de Papenburg. Donc j'ai essayé de faire des, comme vous avez vu, j'ai fait une petite présentation de projet. J'ai essayé de faire quelque chose, mais ça ne fonctionne pas très très bien sur cette map. Donc du coup, je vais reprendre la carrière, sans faire de modif sur la map. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse comment dire, je persiste sur les modifications. Attendez, là il y a un petit bug. Qu'est-ce qui s'est passé? Où je suis là? Hop, je vais mettre ça comme ça. Sauvegarder la partie. Comme ça, je fais ça devant vous. Hop, ça. Du coup, je sais pas où il est. Il est là. Il devrait pas être là. Je le ramène ici. Voilà. Alors, j'ai trouvé un mode génial. Avec les cultivateurs, et ben on peut créer des champs. Ça c'est génial. Du coup je vais pouvoir avancer et créer des champs avec les cultivateurs. Ça va aller beaucoup plus vite, surtout avec celui-là en compagnie du T9. Donc le premier épisode, voilà, je vais créer des champs. C'est parti. Donc c'est un mode où avec les cultivateurs, on peut faire comme avec les charrues, on peut créer des champs. Ça c'est génial. Et le mode est en mode austère. Vous pouvez le télécharger tranquillement. J'ai pas le lien, je peux pas vous le donner, je suis désolé. Et si je le retrouve, je le mettrai dans la description. Les projets sur la chaîne. Vous avez vu, je suis en train de modifier une map pour pouvoir m'amuser un peu plus et pour avoir plus de contenu sur la map et plus de déco. Ça serait c'est mon projet. C'est assez pas mal, c'est assez chiant à faire, mais bon. Pas grave, je le fais quand même. Sur celle-là, donc du coup j'ai abandonné, puisque en fait tous les bâtiments que je rajoute sur la map, ils sont tout blancs, donc ça sert à rien. Après dites-moi si vous savez comment faire, dites-moi dans les commentaires si vous savez comment faire pour que les bâtiments ne soient pas blancs. Donc toutes les maisons et tout, elles sont toutes blanches, ça fait pas très joli. Donc j'ai essayé de mettre aussi un lavage véhicule, et c'est pareil, c'est tout blanc. Donc par contre j'ai des petits bugs avec les vaches, je sais pas pourquoi. Bon, je vais régler tout ça après. Je dois avoir des modes en défaut. Donc avec ce cultivateur ça va super vite, parce que c'est le plus grand qu'on pourrait avoir pour l'instant, c'est le seul que j'ai. Et ça va être un champ que je vais faire pour l'ensilage, uniquement pour l'ensilage, je pense. Maintenant au niveau des nouveaux modes, je les présenterai au fur et à mesure dans les carrières. Si j'ai les liens, je vous les passerai. Si j'ai pas les liens, il faudra les chercher dans le mode Oster ou dans les modes. Vous trouverez tout ça. Au pire des cas, je mettrai le lien des sites de téléchargement. Si vous demandez dans les commentaires, je vous donnerai tous ces liens-là.
à tous les liens où je télécharge les maps, toutes mes maps, tous mes mods, comme ça vous verrez bien comment je fais. Donc voilà, alors maintenant bah, de toute façon je peux pas faire grand chose. Pire des cas, si je peux faire quelque chose, je vais essayer de voir si je peux lancer un semoir. Donc celle-là je vais la revendre. Hop, je vais acheter un semoir. Donc j'ai beaucoup d'argent, c'est normal. On va acheter, on va acheter celui-ci, tiens, parce que les autres sont pas très réels. On va acheter celui-là. Hop. Je vais le ramener à la ferme. Voilà. Je vais voir si ça fonctionne. Parce que si je fais ça et que ça fonctionne pas, ça sert à rien. Ça, il est assez grand. On va peut-être pas tout prendre ce tracteur. On va voir si ça fonctionne. C'est un peu démesuré, mais bon. C'est juste un essai. Hop, j'ai mis les pédales. Voilà. Donc ok, ça va. C'est pas trop démesuré. Alors comme celui-là il laboure, je vais voir si ça fait pareil. Enfin non, il laboure pas, il... comment dire. En tout cas, il glisse beaucoup. Je mets du maïs. Voilà. Bah non, de toute façon. Non. Ok, donc bien ce qui me semblait. Donc allez, on va le faire partir comme ça. Voir si ça gagne du terrain. Hop, on va faire ça. Est-ce que ça marche? Ça fonctionne pas, donc il faut vraiment que je fasse tout moi-même sur ces champs. Donc c'est pas grave, on va faire avec, on va faire comme ça. Ça je vais le laisser là. Et est-ce que j'ai peut-être un champ mosseux peut-être là-bas. On va attaquer déjà un champ, comme ça, ça va avancer un peu. Alors, celui-là, il y a à faire. Ouais. Oh, j'ai déjà planté. C'est pas trop. Hop, je vais regarder ça. Ah mais ils sont déjà tous plantés en fait. D'accord. Bon bah le semoir pour l'instant j'en ai pas besoin. Et ben on va continuer à... On va continuer à passer le cultivateur. Ça, ça sera fait et il n'y aura pas de problème. Okay.
C'est parti. Donc ça sera vraiment des vidéos où bah là je vais plus m'occuper. Bon après je vais un peu copier sur jouant dans le pré, mais c'est pas grave. Hein. Faire un peu d'animaux là-dessus. Parce qu'en fait quand il a présenté la. Enfin il a pas présenté la map, mais quand j'ai vu son. Quand j'ai vu comment il jouait dessus, elle m'a beaucoup plu au niveau des routes et tout. Donc je vais pouvoir faire un peu de bon, un peu de tout avec cette carrière. Ce sera pas une carrière, hein, ça sera vite fait. Je ferai un peu de tout. Il y aura des moments où je vais sauter puisque je vais faire des hors vidéo. Je jouerai comme ça sur cette map. Les carrières suivies, ça sera plutôt sur les maps spéciales animaux et tout ça. Je ferai vraiment que ça. De toute façon, lui sur cette map-là, je crois qu'il a les veaux et les cochons. Moi, je les ai pas. Enfin, je crois pas. Non, je les ai pas. Bon, je suis avec le T9. Le T9 est magnifique. Bon, ça sera des champs que je ferai moi-même. Parce que normalement, ils sont pas délimités par rapport au jeu d'origine. Donc. Un peu plus compliqué. Donc bah, dites-moi dans les commentaires si tous les projets vous intéressent, si vous voulez que je fasse autre chose, donnez-moi des conseils hein, pour tout ça. Moi j'essaie de faire au mieux pour vous satisfaire le plus possible. C'est un agrandissement de champ, c'est fait exprès. Parce qu'après là, je trouve que par contre là, il y a beaucoup trop d'herbe. Au droit, hop là. Bon, je fais un peu n'importe quoi, c'est pas grave. J'aurais pu faire ça hors vidéo, mais c'était juste pour vous présenter ce mode en fait qui peut. Le mode cultivateur
peux labourer les champs, enfin créer des champs, je veux dire. Et c'est assez sympa, c'est assez rapide aussi. Donc c'est une petite présentation de mode, hein. Et ça marche vraiment avec tous les modes. Tous les cultivateurs que vous avez, ça marche. Par contre, faut faire attention et bien réactiver, désactiver le mode, parce que sinon vous allez créer des champs partout. Donc ça, par contre, faudra faire attention. Et c'est la touche haut pour, comme pour la charrue, pour activer, désactiver le mode, c'est la touche haut. Franchement, je le trouve bien sympa, ce petit mode. Ça va super vite. Ça lag un petit peu. Je suis en train de télécharger des nouvelles maps pour les tester. Donc du coup, ça lag un petit peu. Après, j'ai un nouveau projet. Enfin, un nouveau projet. Je viens d'avoir une idée là. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une map spéciale pour vous. Sauf les maps d'origine, comme ça. Moi, je télécharge la map et je fais des vidéos dessus pour que. Pour voir ce que vous aimez. Et en même temps, je fais, voilà, je vais le goût, je vais recommencer. Et en même temps, je vais voir ce que je pourrais faire. Alors, après, j'ai un autre nouveau truc qui pourrait être intéressant. Je vais faire des vidéos en multi. Alors, par contre, je vais inviter personne, mais sur le multi, je mettrai mon pseudo, donc c'est Bookie 7700 normalement, oui c'est ça, et je mettrai le mot de passe, je dirais je mettrai le mot de passe ou je mettrai pas de mot de passe, et tout le monde pourra essayer de venir me rejoindre. Par contre, ça sera juste un essai parce que j'ai pas une très grosse connexion internet, donc du coup il faudrait que je voie si ça fonctionne bien ou pas. Donc maintenant, ça sera un essai. Et ça pourrait être plutôt sympa.
Donc par contre, on pourra pas se parler. On pourra communiquer que par texte. Donc c'est pas trop grave ça. Je ferai ça sur comme il faut tous les potes. Je ferai ça sur la map d'origine, hein, je pense. Et je désactiverai tous les mods pour que vous puissiez jouer avec moi si vous voulez bien. Ou alors je mettrai une map, tiens, genre cette map là d'origine. Et puis je désactiverai tous les autres modes. Comme ça, on pourra jouer ensemble. Ça pourrait pas être trop mal. J'ai pas encore essayé de jouer en multi, donc ça sera un essai. Mais par contre, je ne vous garantis rien pour la qualité du réseau. Là, ça va être autre chose. Donc voilà, on a presque terminé. Bon, en fait, j'utiliserai juste cette carte-là, enfin celle-là ou une autre, en réseau. Et je vous dirai pas quand je fais. Vous regardez à quelle heure je tourne, enfin à quelle heure. Si je suis sur la map, ça veut dire que, enfin si la map est ouverte, ça veut dire que je suis dessus et que je suis en train de travailler dessus. Donc vous pourrez venir me rejoindre. Ça pourrait être sympa. On va reprendre. Donc le mot de passe ça sera, c'est pas moi, ça sera Bookie comme mon pseudo. Bookie 7700. Et le mot de passe, je mettrai le mot de passe. Le réseau, je le mettrai, je sais pas encore parce que j'ai pas, comme je vous dis, j'ai pas encore été essayé. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Si, j'ai d'argent, bien sûr, comme tout le monde. Mais je peux pas prendre de serveur. Donc ça c'est pareil, j'ai mis une petite icône sur la chaîne avec PayPal. Si vous voulez faire un don sur PayPal, vous pouvez. Ça c'est juste pour le jeu, hein. C'est pas pour moi personnel, c'est pour pouvoir acheter des serveurs. Et puis pour pouvoir un peu acheter d'autres jeux aussi sur Steam et tout pour pouvoir vous présenter plusieurs trucs. Donc pardon, excusez-moi. Sur la chaîne, vous verrez, il y a un petit icône PayPal si vous voulez, hein, c'est pas une obligation, mais si vous voulez faire un don, ça serait super gentil. Et je vous demande pas de faire des dons de 50 euros ou de 20 euros, hein, même si c'est un tout petit truc, ça serait déjà ça pour m'aider un petit peu à financer tout ça. Donc, je suis en train de voir pour acheter plusieurs jeux. Déjà j'ai Arma 3, j'ai Construction Simulator, donc je suis en train de m'entraîner dessus parce que c'est un petit peu dur. Donc Arma 3 c'est pareil, c'est, je ferai un multi et ça serait pareil sur, hop là, avec la connexion. Je verrai ce que ça donne. The Spring Tide, comment on dit déjà, enfin, je sais plus. Ça on verra plus tard du coup.
Et j'ai aussi The Hunter. En fait, j'ai pas mal de jeux. Donc si vous voulez jouer avec moi, bah, dites-le-moi ou dites-moi dans les commentaires. On fera des essais et puis on verra bien. Par contre, les heures de tournage, je ne sais pas comment on pourrait faire. Je ne sais pas comment je pourrais jouer. Donc, pour l'instant, ça sera une organisation à prendre et à faire. Pour jouer ensemble. Donc juste après, ce que je vais faire, je vais finir le champ là. Tout de suite après, je vais voir pour le multi, je vais voir si je peux me connecter. On aura fait ce champ, on aura créé ce champ, ça sera déjà pas mal. Donc après c'est pareil, pour mettre les icônes en haut à droite, c'est un mode. Et tout ça, on peut les retirer, les ajouter comme le contrôle, comme ça. Comme ça. Pardon, ça en fait j'ai pas mal de choses. Oula, qu'est-ce que je fais? On va reprendre. Et bah tout ça c'est des modes que j'ai rajoutés qui sont assez bien. En fait ça cache tout et c'est super utile pour pouvoir faire les vidéos, des présentations. Bon, maintenant on a tout ça, hein. C'est pas nouveau, hein. Tout le monde là et tout le monde s'en sert. Donc c'est plus joli. Par contre, j'ai juste l'inspecteur que j'arrive pas à enlever. Ça, c'est pas trop grave. Alors, faut que je trouve une solution. Ça va, ça fait des champs assez jolis. Hein. Hop là. Encore deux allers-retours. Et il est terminé. Donc j'avais essayé avec le Giant Editor de supprimer les champs et tout, de refaire des champs. C'est assez complexe. Je le fais sur l'autre, mais pas sur celle-là. En fait, sur l'autre carrière, ce qui est bien, c'est que bah, elle est assez vide, donc je peux remplir un peu avec un peu tout. Donc ça sera une spéciale animaux l'autre carrière suivante. Ça sera super sympa. Donc pour l'instant, comme vous savez, j'essaye de trouver des modes le mieux possible pour pouvoir réaliser des vidéos. Je suis un petit peu là je suis un peu à la bourre. Et bah, au fur et à mesure, je suis en train de trouver de magnifiques modes. Et je suis en train de faire le tri. Faire le meilleur vidéo possible. Donc c'est pour ça que pour l'instant je commence des carrières, je dis que je fais la carrière, mais en fait bah non, parce que à chaque fois il y a toujours un nouveau mode qui sort. Donc les carrières que j'ai mises, à part la carrière où je suis en train de modifier la carte, celle-là je vais la garder puisque ça sera un truc personnel. Et sinon les autres,
Donc bah celle-ci aussi je vais la garder puisqu'elle est, elle est pas mal. Après je vais voir suivant comment ça va se passer, suivant comment on va faire, je verrai bien. Donc ce champ là est terminé. Bah tiens, je vais essayer cette crône là. Elle est pas très jolie, mais on va l'essayer. En même temps, ça fera de l'herbe pour les animaux. Le gyro fonctionne. Pas très rapide à se déplier. Ça lag un peu avec cette machine. Bon, ça va. Les jambes pas trop suivants. On va rallonger les bras. Une autre mieux que ça, parce que elle n'est pas très jolie. Donc c'est où ça peut être là. Donc c'est celle-ci, 13 mètres. Moi bon, j'ai celle-ci mais elle n'est pas très jolie et elle bug un peu. On va faire comme ça. En divers, non, ça c'est quoi? Ah oui, ça je sais ce que c'est. La faucheuse, j'ai juste ça, d'accord. Peut-être dans les modes d'origine. J'ai pas tout ça. Bon, attendez, on va regarder celle-ci. Ah si, je suis bête. Dans les modes, ouais, j'aille voir. Est-ce qu'on peut faire ça? D'accord. Ok. Donc ça c'est toutes les bennes. Ok. Ok, donc ça c'est tous les modes que j'ai, j'ai un paquet, tous les modes à placer. Alors ça, est-ce que je peux le mettre? Ça, je peux pas le mettre. Ça c'est un mode où j'arrive pas à mettre. Donc on va reprendre dès le début. Ça c'est tous les tracteurs. Ok,
Les camions, ok. Ils sont où tous les modes? Il y a plein de modes qui ont disparu. Plein de modes où je sais pas où ils sont. Bah c'est bon, ça va me permettre de les dégager puisque ça se trouve c'est ça qui bug. Ok, donc je vais pouvoir les dégager parce que c'est ça qui me fait tous les modes en défaut d'échec. Ça sera à cause de ça. Donc voilà, ça c'est un essai, ça fonctionne à peu près bien. Ok les amis, donc je vous dis à la prochaine et surtout dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et dites-moi si ça vous intéresse. Donc voilà les amis, allez, je vous dis à la prochaine et ciao, bye bye.